chaque fois que j'en débat, je parle plus de révolution que d'évolution. Et dans le cadre d'une révolution, il faut être aux aguets, il faut être à la recherche de cette évolution rapide et précipitée, brusque. Et le pays qui se trouve au confluent d'un désert d'océan est assez quand même... il peut aider en la matière. Le numérique, on a commencé à l'appréhender dès lors que nous nous sommes ouverts au web. Rappelez-vous du Minitel avant le web, le web qui a pris le pas sur le Minitel. Et très rapidement, le réflexe du Polynésien a été de s'y intéresser et de découvrir cette nouvelle économie, cette nouvelle matière, cette nouvelle thématique. Je me souviens dans les années 76, lorsqu'on débarquait ici, les premiers appareils, on appelait ça les TRS-DOS, où pour afficher l'écran, il fallait faire une petite programmation en DOS, et ensuite son évolution avec les premiers traitements de texte d'IBM dans les années 90, ces grosses machines-là qui aujourd'hui sont réduites à la portion congrue d'une tablette. Donc vous voyez comment les choses évoluent à vitesse grand V, et le Polynésien dans cette évolution ne doit pas perdre son équilibre, parce que le Polynésien de nature, on le sait tous, et traditionnellement, c'est un voyageur. Donc il fait attention à deux choses, c'est-à-dire à continuer à flotter sur l'océan et avoir toujours le même cap. Et c'est fort à propos qu'en 2004, lorsque le gouvernement Temanu, après le grand chambardement, est arrivé aux affaires du pays, a commencé à lancer cette idée de raccorder le pays au haut débit. Et donc l'idée du câble a fait surface. Et avec l'impulsion donnée par les représentants de l'Assemblée dès les années 2005-2006, nous allons donc lancer le projet. Alors, ce n'est pas une fin en soi, on peut le savoir. Aujourd'hui, on peut se satisfaire, comme nous avons entendu Michel l'évoquer, du fait que nous avons le haut débit, mais le haut débit tout seul, ça ne veut rien dire. Le haut débit, au-delà de ce que nous apporte son contenu, c'est également un milieu auquel il faudra s'adapter. Et je m'en suis ouvert dans mon intervention tout à l'heure pour mettre en garde le commun des citoyens sur les risques qu'apporte quand même cette possibilité que nous donne le haut débit de pouvoir être raccordé à tout. Raccordé à tout. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est peut-être... un trait de caractère qui est important également et qui permettra aux Polynésiens de se positionner, n'est-ce pas, devant la maîtrise de ses décisions personnelles, de se responsabiliser personnellement sur le choix et la décision à prendre quant au bon choix du contenu ou à autre chose. Alors c'est également les métiers. Le métier du numérique, nous en connaissons malheureusement une palette infime, mais aujourd'hui, j'ai cru comprendre que beaucoup de jeunes commencent à être précurseurs dans certains domaines très spécialisés du numérique, et on ne peut que s'en satisfaire. Seulement, comme je le disais également tantôt, l'appétit qui nous anime cette économie numérique et du virtuel, qui la compose est telle qu'aujourd'hui on se laisse un peu dériver vers cette économie gadget où demain ou après-demain les outils de demain auront été remplacés dès le lendemain par les outils du lendemain et ainsi de suite, et à chaque fois on est à l'affût de ces petits gadgets-là qui fleurissent dans l'économie cette fois-là conventionnelle, commerciale, mais qui touche et qui affecte et qui impacte considérablement l'économie numérique. Alors c'est également donc pour le pays la nécessité de réguler, la nécessité de réglementer pour protéger toujours notre microcosme. Il ne faut pas oublier que nous sommes une société insulaire, donc qui peut tout accepter mais qui peut tout risquer également.
Et en tant qu'autorité responsable, nous avons le devoir quand même de protéger pour ne pas justement le confronter à des risques qu'il ne pourra pas de toute façon solutionner. Alors le développement du numérique en Polynésie, ça a été bien entendu le cas. Et aujourd'hui, dans le cadre de la nécessité, je dis bien de la nécessité, bien que ce soit une contrainte locale, il va falloir que ce numérique qui a atterri à Tahiti, certes en Polynésie, mais seulement à Tahiti, puisse également permettre de satisfaire les besoins septentrionaux de l'ensemble de la Polynésie, qui, je le rappelle, est composée d'îles disséminées sur une surface, une étendue aussi vaste que l'Europe. Alors c'est un défi important, mais je peux croire qu'aujourd'hui on peut compter sur cette révolution. Pas plus tard, par exemple, que la semaine, il y a deux semaines de ça, se tenait une conférence, une rencontre internationale à Hawaï, et dans le cadre de cette rencontre internationale a été évoquée la possibilité par une société qui s'appelle Quibi, de pouvoir mettre en orbite basse un certain nombre de satellites qui, dans la dévolution technologique, va à la distribution du haut débit. Donc du coup, les canaux conventionnels que nous utilisons de nos pratiques fort coûteux pour pouvoir désenclaver et permettre de faire atterrir ce haut débit de Tahiti vers les archipels et qui nous semblait démesurément acceptable compte tenu de la situation économique du pays, des financières, des finances publiques, donc nous permet maintenant peut-être d'envisager très prochainement la possibilité de pouvoir répondre à ce besoin. En tous les cas, c'est la deuxième étape. Le haut débit étant arrivé à Tahiti, il faut maintenant que ce haut débit puisse servir l'ensemble des archipels de la Polynésie. Alors, les implications sont légion. Nous avons des besoins publics, de politiques sectorielles publiques, en matière sanitaire, la télémédecine, au niveau de l'éducation. Vous savez que les archipels sont tellement éloignés qu'ils ne bénéficient pas tous. Et même structures dont bénéficient les enfants qui sont sur les grandes îles, comme Tahiti, ou à la limite aux îles du Bon. Et donc, ce haut débit, ce numérique, va maintenant peut-être nous permettre d'apporter des éléments de réponse importants, mais de toute façon, des éléments de réponse pragmatiques. Parce que réalisable. Alors je sais que dernièrement nos voisins du Pacifique, à savoir les îles Cook, se sont véritablement engagés dans la contractualisation de la possibilité de pouvoir mobiliser ce nouveau chaînon qui fait partie de cette révolution numérique, à savoir ce réseau satellitaire basse altitude, qui va permettre, parce qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés que nous, et je suppose les Samoa, les Tonga, Fidji, et toute la région du bassin océanique est confrontée aux mêmes problématiques que nous. Donc je sais qu'au niveau des impôts, ils vont très rapidement contractualiser avec cette société la possibilité de pouvoir obtenir cette prestation et de desservir ainsi en haut débit l'ensemble de leurs archipels. Donc voilà, en résumé, avec pas trop d'exemples, les exemples que j'ai cités, pour dire que le combat continue, en tous les cas, c'est la vision du gouvernement pour les quelques années qui viennent. Malheureusement. Merci, monsieur le...